L'histoire du Vietnam est une longue série d'événements tragiques, dont le dernier en date est la guerre du Vietnam, opposant les communistes vietnamiens aux États-Unis. Pas étonnant donc que leur capitale possède des monuments pour commémorer cette histoire douloureuse. L'un de ces monuments est le mausolée de Ho Chi Minh. Ce n'est certes pas un monument qui brille par son esthétique, mais il est là pour commémorer un passé récent. Et à quelques distances de là, s'élève son musée. Le palais présidentiel se trouve tout près de là également. Tout près du palais présidentiel se trouve une très ancienne pagode bouddhiste, la pagode au pilier unique. Partiellement détruite au cours de la guerre d'Indochine par les troupes françaises, Ho Chi Minh ordonna sa reconstruction en 1959. Le temple de la littérature est le plus important mausolée de Confucius du Vietnam. Dédié à l'enseignement de l'élite depuis plus de 1000 ans, ce temple, qui n'est pas un temple à proprement parler religieux, contient des reliques de Confucius. Il abrite de nos jours une partie de l'université de Hanoï. Thank you.